Bonsoir à toutes et à tous, victoire impérative ce soir pour l'ASVEL sur le parquet du Lietuvos Rytas Vilnius dans cette salle du Krepšinio Arena qui va être pleine à craquer pour cette rencontre entre le Lietuvos Rytas et l'ASVEL, plus de 3000 spectateurs dans cette salle. Victoire impérative, je vous le disais, tout simplement parce que l'ASVEL reste sur 4 défaites consécutives dans cette Supro League. Il faut absolument arrêter l'hémorragie et notamment effacer la dernière défaite à domicile d'un petit point face aux Italiens de Sienne. Vous vous en souvenez sûrement, vous l'avez vécu sur notre antenne avec un panier à la toute dernière seconde de Boris Gorenc. Il faudra absolument arrêter donc l'hémorragie du côté de l'ASVEL. Vous avez rapidement aperçu le 5 de départ du côté de Villeurbanne. Là vous apercevez Greg Beugnot. Un 5 de départ un petit peu modifié par rapport au début de la saison, puisque vous le savez sûrement, il y a eu beaucoup de changements du côté de l'ASVEL. Enfin, beaucoup de changements. Un changement essentiel du côté de l'ASVEL, à savoir l'Américain, le pivot américain Art Long qui a été coupé, qui ne fait plus partie de l'effectif de Villeurbanne. Ça veut dire que Villeurbanne va avoir une rotation en moins à l'intérieur, une rotation et demie même en moins à l'intérieur, tout simplement parce que en plus de l'absence de Art Long, Joachim Blum, le Suédois, lui est légèrement blessé. Il se remet doucement d'une entorse à la cheville. Il va donc sûrement, d'après ce qu'a dit tout à l'heure Greg Beugnot, jouer au cours de cette rencontre, mais il ne pourra pas jouer autant qu'à l'accoutumée, en tout cas pas à 100%. Donc il fera des rotations pour soulager les intérieurs que sont David Prigou et Jim Milba. En tout cas, il va falloir beaucoup de solidarité aux joueurs de Villeurbanne pour remporter cette rencontre. Une victoire d'autant plus importante qu'il faut le rappeler, le Lietuvos Rytas Vilnius est dernier du groupe A avec 3 victoires seulement depuis le début de la compétition. L'ASVEL, elle, doit absolument équilibrer son parcours dans cette Super League avec un début de rencontre et un premier ballon pour Villeurbanne avec Bill Edwards, puisque Villeurbanne, je vous le rappelle, compte 5 victoires et 6 défaites depuis le début de la compétition. Villeurbanne qui débute avec Laurent Sierra, avec Jim Bilba, avec Bill Edwards, avec Zakhar Pachoutin et David Prigou. Et puis du côté du Lietuvos Rytas, on les découvrira au fur et à mesure avec une bonne passe et les deux premiers points pour David Prigou. Bonne passe de Bill Edwards pour les deux premiers points de cette rencontre en faveur de David Prigou. Le 5 de départ du Lietuvos Rytas, donc je vous le disais, qu'on va découvrir au fur et à mesure avec Andrius Slezas. On y reviendra, mais Andrius Slezas, c'est l'homme en forme en ce moment avec son numéro 5 du côté de Vilnius. Il y a dans ce 5 de départ Kestutis Sestokas et 2 points plus ta faute en faveur d'Andrius Giedraitis du côté de Vilnius, avec une faute pour Zakhar Pachoutin. Et un lancer à venir pour Andrius Giedraitis, donc qui fait partie de ce 5 de départ au même titre que Robertas Yavtokas ou encore Eric Elliott. Lancé réussi. Et le ballon pour l'ASVEL. Zakhar Pachoutin. Laurent Sierra. Pachoutin. Edouard qui prend le shoot, ça sera 2 points, c'est dedans. Bill Edouard qui va évidemment avoir une importance toute particulière au cours de cette rencontre. Il réussit son premier shoot. Le ballon pour Vilnius. Avec Andrius Slezas. Andrius Giedraitis à l'intérieur pour Robertas Yavtokas. Ah là c'est ennuyeux, première faute pour David Prigou. Il va falloir qu'il fasse très très attention David. Il faut qu'il puisse tenir à peu près tout le match, quasiment, puisque Art Long n'est plus là et que Joachim Blum n'est pas à 100%. Faute offensive sifflée contre Kestutis Sestokas et ballon rendu à l'ASVEL. Alors il est probable également que Greg Beugnot fasse par intermittence jouer Bill Edwards au poste 4 pour soulager David Prigou et Jim Bilba. Le ballon pour Bill Edwards, David Prigou, Laurent Sierra.
Zakar Pachoutin en pénétration, c'est compliqué, c'est raté. Le rebond offensif, deux fois David Frigou. Non, ballon finalement pour Vilnius. Et le ballon pour Eric Elliott. Shoot à deux points seulement, rebond long après ce shoot d'Andrius Lezas. Eric Elliott à trois points, c'est raté. Le rebond pour Vilnius encore. Attention, il faut récupérer ses ballons. Eric Elliott, bonne passe pour Andrius Giedraitis. Jim Bilba est là. Giedraitis est un petit peu coincé, ressort sur Eric Elliott à trois points. C'est encore raté. Et le rebond pour Jim Bilba. Un point avant pour l'Asvel, 4 à 3. Zakar Pachoutin. David Frigou qui va faire jouer son adversaire Jim Bilba qui redonne à Frigou la faute. Non, 3 secondes sifflées contre David Frigou. Ballon rendu au Lituanien. On joue depuis 2 minutes et 30 secondes. Score de 4 à 3 en faveur de l'Asvel. Le ballon pour Eric Elliott. Ballon sorti du pied par Laurent Sierra. À nouveau 24 secondes. Et le ballon pour Vilnius. Remise en jeu que va effectuer Eric Elliott. Nouveau coup de sifflet. Pour une faute offensive. Un écran illicite a priori. Oui, c'est Roberta Sviatokas qui prend cette faute. Et le ballon rendu à l'Asvel. Zakar Pachoutin. Laurent Sierra. Pachoutin. Frigou. Pachoutin. Ah, qui a recherché Frigou, mais ballon perdu, récupéré par Vilnius, par Andrius Giedraitis. Un long ballon, oui, qui va arriver jusqu'à Kestutis Estokas. À 3 points, c'est raté. Le rebond pour Bill Edwards. Peu de réussite pour l'instant dans ce début de rencontre de part et d'autre. Laurent Sierra. David Frigou qui prend le shoot tête de raquette. C'est raté, c'est trop long. Et le rebond pour Eric Elliott. Une faute de Zakar Pachoutin. Voilà qui est ennuyeux parce que c'est la deuxième faute. Deuxième faute personnelle pour Zakar Pachoutin. Troisième faute d'équipe pour l'Asvel. Et Greg Bonneau qui fait sortir tout de suite Zakar Pachoutin, remplacé par Peter Hoffman. Le ballon pour Vilnius. Avec Robertas Yavtokas qui fait jouer. Oh, et qui marque malgré le contre en deuxième rideau de Bill Edwards. Deux points pour Yavtokas et le ballon pour l'Asvel. David Frigou, Laurent Sierra. Bill Edwards. Qui se retourne, qui prend le shot, oui, 2 sur 2 pour Bill Edwards en ce début de rencontre. Ah, il peut être le sauveur ce soir, entre guillemets bien sûr, Bill Edwards. Eric Elliott, il a vu le trou, il ressort sur Andrius Lezas. Andrius Giedraitis. Nouvelle faute. Faute pour Peter Hoffman, quatrième faute d'équipe pour l'Asvel. Le ballon toujours pour Vilnius, 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Eric Elliott. Andrius Giedraitis avec un bon ballon à l'intérieur. La faute, nouvelle faute. Elle sera pour Bill Edwards ou Peter Hoffman? Bill Edwards a priori, oui. Première faute pour Bill Edwards, cinquième faute d'équipe là pour l'Asvel et on va retrouver au lancer franc Kestutis Sestokas. Kestutis Sestokas qui a réalisé son meilleur match en début de saison, c'était face au Maccabi Rahanana où il avait réussi 17 points et 11 rebonds au cours de cette partie. Partout, 5-45 à jouer dans ce premier carton et le ballon pour l'Asvel. Laurent Sierra qui prend le shoot à 3 points,
c'est un peu court, il va prendre le rebond, non, on va le récupérer par Eric Elliott. La contre-attaque, Giannakis à 3 points, et ouais, c'est dedans. Laurent Sierra. Jim Bilba, Sierra, en pénétration, ressort sur Bilba à 3 points, ouais, 3 points pour Jim Bilba. Andrius Giannakis encore à 3 points. Il va falloir faire attention à ce jeune homme. Il en est déjà à 9 points dans ce match. Il a marqué 9 des 12 points de son équipe. Donc donne 2 sur 2 à 3 points. Enfin, donc 2 paniers à 3 points plus exactement. Laurent Sierra. Bill Edwards. Il prend le shoot tête de raquette. Ouais, Bill Edwards, lui, il en est à 3 sur 3. Et il permet à l'Asvel de rester au contact. Le jeu qui est en train de s'accélérer dans ce premier quart-temps avec Andrius Giannakis en pénétration qui rate. Et le rebond encore pour Vilnius, il faut prendre ses rebonds défensifs. Kestoutis Estokas face à David Frigou qui ne connaît pas de faute. Et le rebond pour Jim Bilba. Laurent Sierra. Bill Edwards. David Frigou, Sierra. Edwards à 3 points. Ah, il s'est raté. Et le rebond sera en faveur de Villeurbanne puisqu'il y a une faute sur le rebond. Faute lituanienne, celle d'Andrius Lezas. Troisième faute d'équipe pour les Lituaniens. Et un changement côté lituanien avec la sortie de Kestutis Estokas remplacé par Arnas Kazlauskas. Laurent Sierra. Peter Hoffman à 3 points, c'est raté et le rebond pour Vilnius. Pour Yavtokas, pour Robertas Yavtokas, le ballon pour les Lituaniens. Ballon perdu, récupéré par Jim Bilba, bonne défense de David Frigou, la contre-attaque avec Bill Edwards qui redonne à Peter Hoffman 2 points. Et l'Asvel qui repasse devant, un petit point d'avance, 13-12, il reste 3-40 à jouer dans ce premier quart-temps. Eric Elliott, Andrius Giannakis, Elliott à 3 points. Eh oui, ils sont à droite, 3 points. Les Lituaniens, Laurent Sierra, Peter Hoffman, Bill Edwards qui prend le shot. Ah, son premier shoot raté à 2 points en tout cas, puisqu'il avait raté tout à l'heure à 3 points. Rebond pour Eric Elliott. Arnas Kazlauskas, 2 points. 4 points d'avance pour les Lituaniens à 3 minutes de la fin de ce premier quart-temps, 17-13. Et le ballon pour l'Asvel avec Laurent Sierra. Peter Hoffman, Jim Bilba à l'intérieur pour David Frigou. C'est fort bien joué de la part de l'Asvel, 2 points pour Frigou. Eric Elliott à 3 points encore, attention, là c'est raté, mais le rebond offensif une nouvelle fois pour Andrius Lezas. Eric Elliott, Andrius Giannakis, bonne défense de Peter Hoffman, il est passé Giannakis, un petit peu bouché, trouve Arnas Kazlauskas pour 2 points supplémentaires. Laurent Sierra. Bill Edwards. Sierra, Bilba à l'intérieur, c'est compliqué. Et ballon récupéré par Robertas Yavtokas. La contre-attaque des Lituaniens avec Eric Elliott qui a cherché à Yavtokas. Mais bon retour de David Frigou, bon repli défensif de David Frigou. Ballon pour récupéré par Peter Hoffman. Laurent Sierra. 1:45 à jouer, 4 points de retard pour l'Asvel. David Frigou qui prend le shoot, c'est raté, rebond offensif, super de Laurent Sierra et 2 points supplémentaires avec la faute. Greg Beugnot qui avait demandé le temps mort, qui annule le temps mort. Faute pour Andrius Giannakis. Ah non, elle est pour Robertas Yavtokas. Andrius Giannakis. En tout cas, c'est la quatrième faute d'équipe pour les Lituaniens et un lancé franc supplémentaire pour Laurent Sierra.
Lancer réussi. L'Asvel est à une longueur seulement. 19-18, 1-34 à jouer dans ce premier quart-temps. Eric Elio a pris faute de Laurent Sierra. Ça va donner deux lancers francs à Eric Elliott. Eric Elliott qui est le joueur le plus adroit à 3 points de cette équipe, dans cette équipe du Litouvos Ritas Vilnius, avec plus de 49% de réussite dans ce domaine. Premier lancer réussi. Deux sur deux et trois points d'avance pour Vilnius. 21-18, 1-31 à jouer dans ce premier quart-temps. Et le ballon pour Bill Edwards. David Frigou, Laurent Sierra. Peter Hoffmann, ballon volé par Eric Elliott qui va aller pouvoir marquer deux points sans souci. Voilà qui est fait. Et temps mort demandé tout de suite par Greg Beugnot pour l'Asvel. La colère de Laurent Sierra après Peter Hoffmann. Temps mort demandé par l'Asvel alors qu'il reste 1 minute et 16 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. L'Asvel est mené de 5 points, 23 à 18. Et Andrius Giedraitis qui est le meilleur marqueur de ce premier quart-temps avec 9 points inscrits. Points et 4 rebonds pour Eric Elliott dans ce premier carton également. Du côté de l'Asvel, on a Bill Edwards avec 6 points. Et voilà pour les principales stats de ce premier carton. Deux équipes qui ont un parcours un petit peu similaire, hein, puisque l'Asvel reste sur 4 défaites. Je vous le disais, ils n'ont plus gagné depuis le match face à Split à domicile, remporté 88 à 78 de 10 points. Alors que le Lietuvos Ritas Vilnius reste sur 4 défaites consécutives également. Ils n'ont plus gagné, eux, depuis un déplacement à Sienne avec une victoire de 4 points. Ils restent sur une défaite cuisante en Israël face au Maccabi Rahanana de 17 points. Les Jazzmen, leur surnom. De ce club de Lietuvos Ritas Vilnius. Laurent Pluvy est entré en jeu, c'est lui qui a le ballon. Laurent Sierra, Jim Bilba, David Frigou. Et Frigou qui va aller jouer son adversaire, c'est court. Et le rebond pour Arnas Kazdauskas. La dernière minute de ce premier carton, Eric Elliott. Arnas Kazdauskas cherche une solution. Robertas Siartokas face à David Frigo. Il est passé, il a marqué des points supplémentaires. 7 points de retard pour l'Asvel. 35 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Laurent Pluvy. Laurent Sierra. Bill Edwards. Laurent Pluvy. Ah oui, il a trouvé David Frigo. Et ballon volé une nouvelle fois par Arvidas Pasiauskas cette fois-ci. Ah, ça peut faire un gros écart à l'arrivée dans ce premier carton. Eric Elliott. 10 secondes. Il y a un écart. Non, il n'y a pas d'écart. C'est la dernière possession a priori. Avec Pasiauskas qui rate le rebond pour Laurent Pluvy. Et la fin de ce premier carton sur ce score en faveur du Lietuvos Ritas Vilnius. 25 à 18, 7 points de retard pour l'Asvel à l'issue des 10 premières minutes. L'Asvel qui était bien rentré dans cette rencontre, mais qui a eu quelques difficultés ensuite dans la fin de ce premier carton. Meilleur marqueur de ce premier carton, Andrius Giedraitis avec 9 points. 7 points, 4 rebonds pour Eric Elliott également. Du côté de l'Asvel, le meilleur marqueur, Bill Edwards, avec 6 points.
À 3 points pour l'instant, l'Asvel en est à 1 sur 4, alors que du côté des Lituaniens, on en est quand même à 3 sur 8. Ils ont déjà tenté 8 paniers à 3 points durant ces 10 premières minutes avec 3 réussites, dont un 2 sur 2 pour Andrius Giedraitis dans ce domaine. 53% de réussite pour les Lituaniens dans ce premier quart-temps, 50% pour l'Asvel. Au niveau des rebonds, on en est à 9 à 6 en faveur des Lituaniens et 5 balles perdues dans ce premier quart-temps tout de même pour l'Asvel. Voilà pour les stats de ce premier quart-temps. Je vous comparais tout à l'heure les parcours des deux équipes en disant que les deux équipes restaient sur 4 défaites consécutives en Supro League. En revanche, c'est le parcours parfait en championnat à la fois pour l'Asvel et pour Vilnius. Vilnius qui en est à 16 victoires pour 0 défaite dans son championnat de Lituanie. Et l'Asvel, vous le savez sûrement, qui en est à 14 victoires pour 0 défaite. L'Asvel qui est en 6e position provisoire de son groupe de Supro League alors que Vilnius est dernier. C'est dire l'importance de cette rencontre. Il faut que l'Asvel remonte vers les sommets. Joachim Blum vient d'entrer en jeu. Attention à tout shoot à 3 points d'Eric Elliott. Heureusement raté. Oh, la claquette de Roberta Siaptokas qui a raté son match. Heureusement, mais il est allé très très haut là sur ce rebond. Laurent Sierra. Joachim Blum qui a pris la place de David Trigou. Bill Edwards. Laurent Pluvy. Jim Bilba, oui, la faute de Roberta Siaptokas. Deuxième faute personnelle. Joachim Blum qui se remet doucement d'une entorse à la cheville, contractée avec son équipe nationale durant la trêve. Vous le savez, on s'est arrêté dans les différents championnats et en Supro League pendant quelques jours pour permettre aux équipes nationales de disputer leur qualification pour l'Euro 2001. Et Joachim Blum s'est fait une entorse à la cheville. Joachim Blum à 3 points. Ah, c'est raté et le rebond sera en faveur de Vilnius qui va effectuer un changement. Sûrement Yavtokas va sortir, oui, avec ses deux fautes, remplacé par Valery Cetovic. Et le ballon pour Vilnius avec Arnas Kazlauskas. Arvidas Masiauskas pour Valery Cetovic qui marque ses deux premiers points face à Jim Bilba. Plus gros écart du match, 9 points de retard pour l'Asvel, 27-18, Laurent Pluvy, Bill Edwards. Ah, Bill Edwards qui perd ce ballon. Non, intervention des arbitres, je ne vous ai pas donné leur nom d'ailleurs, des arbitres qui redonnent le ballon à l'Asvel. Il s'agit du Polonais monsieur Spildlewski, pas facile à dire, et le Croate Dubravka Muvic. Monsieur Dubravka Muvic. Jim Bilba, et ballon, oui, récupéré par Laurent Pluvy avec un petit peu de réussite. Il y a peut-être une petite faute là. Joachim Blum qui prend le shot, c'est raté, et le rebond pour Arvidas Masiauskas. Oui, faute de Bill Edwards. Deuxième faute personnelle pour Bill Edwards. Ça s'annonce compliqué, hein, cette rencontre là pour l'Asvel en ce début de match. Les Lituaniens sont surmotivés. Le ballon toujours pour Vilnius. Avec Rolandas Kiaroutis. Arvidas Masiauskas, Kiaroutis. Qui a failli perdre ce ballon. Il joue avec Cetovic. Ouais, bonne passe pour Arnas Kazlauskas. Mais c'est pas Cetovic, pardon, qui est entré en jeu, mais c'est Arturas Yavtokas. C'est vrai que Cetovic a été écarté de l'effectif. Je suis resté sur les anciens numéros.
et c'est Arthur Siafkokas, le frère de Roberta Siafkokas, qui a donc pris la place de son jeune frère. 29-18, 11 points d'avance pour Vilnius. Le ballon pour Laurent Pleuvis, c'est compliqué, mais ça fait 2 points quand même. Faute offensive pour Rolandas Yaroutis. Offensive sur Laurent Pluvis et le ballon pour l'Asvel avec Laurent Pluvis, Bill Edwards. Zakhar Pachoutin qui est revenu en jeu, pas de solution. Il en trouve une avec Joachim Blum. Pachoutin, il reste 5 secondes sur cette attaque. Pachoutin qui va aller au bout, 2 points. Allez, l'Asvel qui revient à cette longueur. 29-22. Et le ballon pour Vilnius avec un ballon volé par Zakhar Pachoutin, la contre-attaque de l'Asvel. Pachoutin, 2 points supplémentaires, est en mort tout de suite, demandé par le Lietuvos Ritas Vilnius. L'Asvel qui était mené de 11 points et qui vient d'infliger un 6-0 aux Lituaniens. Le score n'est plus que de 29 à 24, plus que 5 points d'avance pour Vilnius, alors que l'on joue depuis 2 minutes et 57 secondes dans ce deuxième carton. Prise à 2, là vous l'avez vu sur Rolandas Yaroutis. Et la contre-attaque conclue par Zakhar Pachoutin. Alors rappelons également le résultat du match aller qui avait vu la victoire sans problème de l'Asvel 87 à 69. Une victoire de 18 points des hommes de Greg Beugnot, mais qui jouait alors avec Arklong et Joe Stephens. Les deux Américains ne sont plus là. Il y en a un autre qui est arrivé, en l'occurrence Bill Edwards. Et puis Vilnius avait joué avec Eric Elliott, mais sans Greg Grant. Greg Grant qu'on n'a pas encore vu sur le parquet, le deuxième Américain de cette équipe de Vilnius. Allez, le ballon pour les Lituaniens. Avec Arnas Kazlauskas. Andrius Giedraitis à l'intérieur pour 2 points de Arturas Yaptokas. Ah, ils font mal à l'intérieur là pour l'instant. Laurent Pluvis. Ouf, la faute. Oui, oui, faute bien sûr, faute de Arvidas Maciejauskas. Troisième faute d'équipe pour Vilnius dans ce deuxième carton. Et le ballon toujours pour l'Asvel. Avec Laurent Pluvis. Joachim Blum. Bill Edwards. Ah, qui a recherché Blum ou qui sort ce ballon extrémiste, qui trouve Zakhar Pachoutin, c'est raté. Et le rebond pour Vilnius avec Ramunas Siskauskas. Il va jouer Jim Bilba, et oui, fin de shoot, il prend le tir et 2 points supplémentaires. Et ils reprennent 9 points d'avance, les Lituaniens. Joachim Blum. Laurent Pluvis. Qui pénètre, qui ressort ce ballon sur Blum. Zakhar Pachoutin, 3 secondes sur cette attaque. Pachoutin à 3 points. Ouais, à 2 secondes de la fin de la possession. 3 points pour Zakhar Pachoutin qui ramène l'Asvel à 6 longueurs. Et le ballon pour Vilnius. Avec Ramunas Siskauskas. Andrius Giedraitis. Ressort sur Siskauskas. C'est raté. Mais le rebond offensif, non. Oui, ballon en faveur de l'Asvel. Jim Bilba qui s'est bien battu, qui réclamait une faute là sur la position préférentielle au rebond. La sortie de Joachim Blum. Il souffre toujours un petit peu de sa cheville. Et le retour de David Frigou. 6 points de retard pour l'Asvel. 5 minutes 10 à jouer dans ce deuxième carton. Et le ballon pour Villeurbanne avec un bon ballon pour Laurent Pluvis. Oh, il y a peut-être une faute, le rebond offensif pour David Frigou. 2 points. Allez, ils sont à 4 longueurs.
Andrius Guedraïté, sans pénétration, pas de faute, et le rebond énorme de David Frigou. Laurent Pluvé, ah, ça va mieux là, en ce moment là, du côté de Villeurbanne. On a du mal à trouver tout de même Bill Edwards, ça le met en bonne position. David Frigou, Zakhar Pachoutine, 5 secondes sur cette possession. Pachoutine qui prend le shoot, c'est raté. Et le rebond pour Vilnius. Avec Arnas Kazlauskas. Et faute offensive. Faute offensive d'Arvidas Vasiliauskas. Deuxième faute personnelle, quatrième faute d'équipe pour Vilnius dans ce deuxième carton. Arvidas Vasiliauskas qui sort, remplacé par Eric Elliott. ...4-26 à jouer dans ce deuxième carton, 4 points de retard pour l'Asvel. Bill Edwards, David Frigou, Zakhar Pachoutine, Laurent Pluvy à 3 points, c'est court. Oh, bon rebond encore de David Frigou pour Jim Bilba. Marché sifflé contre Jim. Un nouveau ballon perdu. Ballon pour Vilnius avec Eric Elliott, l'œil noir de Greg Beugnot. Artouras, oh, Yavtokas qui a raté ce tir et ballon récupéré par l'Asvel avec Zakhar Pachoutine. Laurent Pluvy. David Frigo qui prend le shoot, c'est raté, c'est un peu court et le ballon récupéré par Vilnius avec en plus la faute de Jim Bilba. Nouveau changement de côté de Vilnius avec la sortie d'Andrius Giedraitis remplacé par Andrius Lezas. Le rebond pris par Arnas Kazlauskas, c'est la faute de Jim Bilba. Laurent Sierra va revenir du côté de l'Asvel. Le ballon pour Vilnius avec Artouras Yavtokas qui prend le shoot, c'est raté. Et le bon rebond de Bill Edwards. Allez, ça fait un petit moment là qu'ils n'ont pas encaissé de points. Laurent Pluvy à 3 points. Oh là là, il est énorme Laurent Pluvy. Il avait loupé sa première tentative, la deuxième est la bonne. En première intention, il ramène l'Asvel à une longueur, 33-32. 3 minutes 10 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Le ballon pour Vilnius. À 3 points, Arnas Kazlauskas s'est raté, le rebond pour Bill Edwards, l'occasion de passer devant. Une intervention du corps arbitral avec un nouveau coup de sifflet, une faute. Pour Ramunas Siskauskas, cinquième faute d'équipe pour Vilnius dans ce deuxième carton. Jim Bilba est sorti, remplacé par Laurent Sierra. Donc voilà, on va avoir la configuration que je vous annonçais tout à l'heure avec trois petits. Et c'est-à-dire que Bill Edwards va prendre le poste 4 avec deux lancers à venir pour Bill Edwards. Et qui rate son premier lancer franc. Bill Edwards qui a fait son meilleur match à Wrocław en Pologne où il avait inscrit 18 points et distribué 6 passes décisives. Il fait 1 sur 2, 33 partout, égalité parfaite, 2,55 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Le ballon pour Vilnius avec Eric Elliott. Arnas Kazlauskas qui joue avec Andrius Giedraitis. À 3 points encore, c'est raté. Et le rebond sera en faveur, oui, de Vilnius absolument. 2,43 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Le ballon pour Eric Elliott. À 3 points, attention. Oui. Oh, il est très très adroit Eric Elliott à 3 points ce soir. Il redonne 3 points d'avance à son équipe. 2,30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et le ballon pour l'Asvel. Laurent Pluvy. Zakhar Pachoutine qui perd la balle, récupéré par Laurent Pluvy. Qui prend le shoot à 2 points. Oui. ...36-35, un point de retard pour Villeurbanne, 2-10 à jouer dans ce deuxième quart-temps et le ballon pour Vilnius avec Arnas Kazlauskas. Encore un 3 points d'Eric Elliott. Ah, il va falloir l'arrêter, il en est à 13 points.
4 points de retard pour l'Asvel, 1,50 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Laurent Sierra, Bill Edwards, Zakhar Pachoutin, dribble dans le dos, il va aller au bout, il est contré Zakhar Pachoutin, contré par Arturas, par Robertas Yavtokas. C'est forcément un des deux frères. Nouveau coup de sifflet avec une faute de Laurent Pluvy. Troisième faute d'équipe pour l'Asvel dans ce deuxième quart-temps. Le temps mort demandé par Greg Beugnot en faveur de l'Asvel alors qu'il reste 1 minute et 33 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. L'Asvel est mené de 4 points, 39 à 35. Meilleur marqueur du match donc Eric Elliott avec 13 points. Et 4 rebonds déjà pour le meneur américain de Vilnius. 9 points pour Andrius Giedraitis. 6 points pour 6 points, 3 rebonds pour Arnas Kazlauskas du côté de l'Asvel. On a 3 joueurs à 7 points. Laurent Pluvy, Zakhar Pachoutin et Bill Edwards. Bill Edwards qui en est à 7 points et 4 rebonds depuis le début de cette rencontre. David Frigou, lui, a inscrit 6 points dans ce match. Il y a des joueurs qui se sont vus il n'y a pas très très longtemps, hein, puisque vous le savez sûrement, dans le cadre de la Coupe des Nations en match amical, la France a joué la Lituanie à domicile à Dijon. Et il y avait pas mal de joueurs de l'Asvel et de Lietuvos Rytas Vilnius dans cette partie remportée par l'équipe de France 78 à 65. Eric Elliott, la dernière minute 30 de ce deuxième quart-temps. Bonne défense de Laurent Pluvy. Eric Elliott qui a trouvé une solution avec Andrius Giedraitis. Elliott, Yavtokas, Robertas face à David Frigou. Il va essayer de le jouer, c'est bien joué. 2 points supplémentaires, 6 points d'avance pour Vilnius. 1-10 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et le ballon pour l'Asvel avec Laurent Pluvy. Bill Edwards, Zakhar Pachoutin, Bill Edwards à 3 points, c'est raté, et le rebond pour Vilnius. Andrius Giedraitis, Eric Elliott, ouh, le bon contre de David Frigou sur la pénétration d'Andrius Lezas. Ballon toujours pour Vilnius, 43 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. 6 points d'avance pour les Lituaniens. Oh, bonne passe pour Robertas Yavtokas, mais c'est raté, le rebond pour Laurent Pluvy. La contre-attaque avec Laurent Sierra. Bill Edwards, Zakhar Pachoutin, Sierra. 30 secondes. Allez, il faudrait marquer à 3 points par exemple avec Laurent Pluvy qui ramène son équipe à 3 longueurs. Qu'est-ce qu'il est fort Laurent Pluvy cette saison. Eric Elliott, la dernière possession sûrement, ne pas encaisser de panier. Il est passé, il prend le shoot, c'est raté. Le rebond pour David Frigou, peut-être le dernier shoot à prendre avec Zakhar Pachoutin. Oui, pour Laurent Pluvy, contré. Et Greg Beugnot qui demande les 2 points. Est-ce que le ballon avait touché la planche avant le contre ou pas? A priori, vu de loin, je dirais non. Mais ça reste à confirmer. Et il y avait une faute de sifflet contre Robertas Yavtokas. Donc ça va tout de même donner 2 lancers francs. Ah oui, c'était sur le rebond de Laurent Sierra. Donc 2 lancers francs pour Laurent Sierra. Le panier n'a pas été accordé. En tout cas, ça va permettre à l'Asvel de se rapprocher un petit peu plus des Lituaniens. Laurent Sierra qui est le troisième meilleur passeur de cette Super League avec 5,5 passes décisives par match. 2 sur 2 au lancer franc, mais voilà qui fait du bien, puisque à l'issue des 20 premières minutes, à la pause, l'Asvel n'est mené que d'un point, 41 à 40. Un petit point de retard seulement pour l'Asvel qui s'en sort pas mal là sur l'ensemble de ces 20 premières minutes. Un petit mot sur les statistiques avant de repasser rapidement par Paris. On en est à 47% de chaque côté au tir. C'est vraiment équilibré. 35% à 3 points, 36% pour l'Asvel.
17 rebonds à 15 pardon, en faveur de Vilnius. 6 balles perdues contre 4 pour l'Asvel. Vous voyez donc que c'est relativement équilibré de part et d'autre durant cette première, ces deux premières périodes. Voilà la confirmation des stats que je vous donnais. Vraiment 20 premières minutes très très équilibrées. Le meilleur marqueur du match, Eric Elliott pour Lietuvos Ritas Vilnius. 13 points ajoutés à 4 rebonds. 9 points pour Andrius Giedraitis, 6 points pour Arnas Kazlauskas ajouté à 3 rebonds, 6 points également pour Roberta Siavtokas ajouté à 4 rebonds. Du côté de l'Asvel, Laurent Pluvy en est à 10 points, 3 rebonds, 7 points pour Zakhar Pachoutin, 7 points, 4 rebonds pour Bill Edwards, 6 points et 3 rebonds pour David Frigou. Voilà pour les stats de ces 20 premières minutes. On repasse par Paris et puis on se retrouve pour le début du troisième quart-temps d'ici quelques petites secondes. A tout à l'heure. On attend qui encore ? Isabelle. Oh, tant pis, on commence sans elle. Une nouvelle génoise, plus moelleuse que jamais. Il est beau. Une saveur de fruits plus intense encore. Ah. Une fine couche au chocolat, encore plus craquante. Craquante. Nouveau Pimm's de Lu. Ah. Biscuit pour adultes. C'est la troisième fois que je le vois. Avec MSC Notemail, on peut consulter ses emails partout dans le monde et entrer en contact avec ceux qu'on aime. Et même avec d'autres. MSC Notemail, tout dire d'un simple battement d'ailes. Elle veut s'ouvrir. Elle veut avancer. Elle veut grandir. Elle veut des ressources illimitées. Votre entreprise a soif de télécommunications. Voix, données, internet, fibre optique. Captech, ressources en télécommunications. France Télécom vous invite à entrer dans le capital d'Orange. Orange, l'un des leaders mondiaux de la téléphonie mobile, a pour ambition d'être présent demain dans 50 pays et accessible à 1,5 milliard de personnes dans le monde. Dès aujourd'hui, France Télécom vous invite à entrer dans le capital d'Orange. Orange. Nike Sharks présente Carnage d'athlètes. Ce soir, Vince Carter contre un trio de mimes équipés d'une bombe à retardement. Il reste 10 secondes au chrono. Les mimes ont la bombe. Regardez comme il promène Vince. Pense au smash, Vince. Pas d'appel. Oh, explosif. Et pour ça dans la tronche. Ça va faire mal demain au réveil, ça. Oh, c'est sûr. Le score 41-40, un point d'avance en faveur du Lietuvos Ritas Vilnius face à l'Asvel Lyon Villeurbanne à l'issue des 20 premières minutes. Un petit point seulement de retard pour l'Asvel qui en a compté jusqu'à 11. Ça a été le plus gros écart des 20 premières minutes. Et je vous le disais tout à l'heure en fin de deuxième quart-temps, des stades vraiment équilibrés de part et d'autre. Pour preuve, le nombre de tirs à deux points, même pourcentage, 47% de chaque côté. Mais encore plus fort, il y a 16 tirs réussis sur 34 de chaque côté. C'est-à-dire que chaque équipe a tenté 34 shoots et chaque équipe en a réussi 16. C'est vous dire si ces deux premiers quart-temps ont été équilibrés. On va savoir maintenant si l'Asvel va pouvoir tenir le choc encore, notamment à l'intérieur.
Pour l'instant, au niveau des fautes, ça va à peu près, puisqu'il n'y a aucun joueur à trois fautes du côté de l'ASVEL. Un seul du côté de Vilnius, c'est Robertas Yavtokas. Vilnius qui va débuter ce deuxième quart-temps avec Eric Elliott, Arnas Kazlauskas, Ramonas Iskauskas, Robertas Yavtokas, qui a donc trois fautes, et Andrius Giedraitis du côté de l'ASVEL. On va débuter avec Jim Bilba, David Frigou, Laurent Pluvis, Zakhar Pachoutin et Bill Edwards. C'est l'entre-deux pour ce début de troisième quart-temps et un premier ballon pour l'ASVEL avec Laurent Pluvis. Zakhar Pachoutin, Jim Bilba, David Frigou, oui, il est en bonne position et un point marqué, deux points. L'ASVEL est devant. Je crois bien que l'ASVEL n'a jamais eu plus de deux points d'avance dans ce match. Je suis en train de le vérifier. Trois points, c'est raté. Et le rebond, oui, le rebond de David Frigou. Oui, le plus gros écart du match, ça a été deux points. Le plus gros écart du match en faveur de l'ASVEL, ça a été deux points, 2-0. Sinon, ils n'ont jamais pu dépasser ce cap-là. Ballon pour l'ASVEL avec Jim Bilba, David Frigou. Bilba, Frigou. Ah oui, faute, voilà, faute de Robertas Yavtokas, voilà qui peut tout changer. Quatrième faute personnelle pour Robertas Yavtokas. Et tout de suite le changement, il est remplacé par son frère Arturas Yavtokas. Pas évidente, évidente cette faute. Laurent Pluvis à 3 points, il allait à 3 sur 4. Il a réussi ses 3 derniers shoots à 3 points, Laurent Pluvis. Et l'ASVEL qui, pour la première fois du match, a 4 points d'avance. 45-41. Et le ballon pour Vilnius avec Andrius Giedraitis. Ramonas Iskauskas avec Eric Elliott. 2 points. Oui, c'est encore dedans. Il est à droit, Eric Elliott. Laurent Pluvis. Bill Edwards. Jim Bilba. Zakhar Pachoutin, faute une nouvelle fois, oui, pour Eric Elliott. Et ballon toujours pour l'ASVEL. Laurent Pluvis. Bill Edwards. David Frigou. Pluvis. Pachoutin. Edwards à 3 points, c'est court, c'est un airball même de la part de l'Américain. Surprenant de la part de Bill Edwards. Le ballon pour Vilnius avec Arnas Kazlauskas. Ballon à l'intérieur pour Arturas. Yavtokas à 3 points, Ramonas Iskauskas est raté. Le rebond encore pour David Frigou. Laurent Pluvis. Jim Bilba, Bill Edwards. Bilba, Frigo, oui, il est en bonne position, ressort sur Pluvis à 3 points. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qu'il réussit à faire, Laurent Pluvis. Quelle adresse à 3 points, il en est à 4 sur 5. Lui qui est le meilleur dans ce domaine, dans cette Super League, avec 62% de réussite, 61,9 exactement. La faute pour Bill Edwards, troisième faute personnelle pour Bill Edwards, c'est le premier joueur de l'ASVEL à 3 fautes. Qu'est-ce qu'il est fort quand même, Laurent Pluvis à 3 points, 4 sur 5, il a loupé sa première tentative depuis, il n'a rien raté, 4 sur 4 à 3 points. Andrius Giedraitis. Anas Kazlauskas avec Giedraitis. Face à Bill Edwards, pas de faute et 2 points. Ah, il avait pourtant pas mal défendu là, Bill Edwards. Giedraitis qui a réussi à inscrire 2 points. 3 points d'avance pour l'ASVEL. Jim Bilba. Laurent Pluvis, Bill Edwards. Bill Edwards face à Siskauskas. Bill Edwards qui va aller se rapprocher du panier pour inscrire de nouveaux points. 5 points d'avance pour l'ASVEL. Ah, Ramonas Siskauskas qui est passé, la faute, oui, faute de David Frigou. Et ça va faire 2 lancers francs pour Ramonas Iskauskas, qui
qui est le meilleur intercepteur de cette formation lituanienne avec 1,6 interceptions par match. Premier lancer réussi. Deux sur deux. Et trois points d'avance seulement maintenant pour l'ASVEL. Il reste 6-30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Zakhar Pachoutin, Jim Bilba pour David Frigou. Il est passé. Et deux points supplémentaires pour David Frigou. Ça joue bien là du côté de l'ASVEL en ce moment. Ouh, attention à ce ballon. Andrius Giedraitis qui est passé. Et faute, oui. Faute pour Zakhar Pachoutin. Pas du tout. Allez pour David Frigou. Aïe. Ça c'est beaucoup plus ennuyeux. Troisième faute personnelle pour David Frigou. Troisième faute d'équipe pour l'ASVEL dans ce troisième quart-temps. Troisième faute de David Frigou prise rapidement. Qui peut être un petit peu ennuyeuse. Ramona Siskauskas avec Eric Elliott à 3 points. Attention, et ouais, il est à droit lui aussi. Ah, il y a un duel à 3 points entre Laurent Bluvy et Eric Elliott qui vaut le détour. Ballon pour l'ASVEL avec Zakhar Pachoutin. Laurent Bluvy, ça sera 3 points. 3 points encore pour Laurent Bluvy. C'est incroyable. Incroyable ce qu'il réussit à faire Laurent Bluvy. Andrius Giedraitis qui ressort sur Arnas Kazlauskas. Giedraitis à nouveau, il est passé. Et il marque deux points supplémentaires. 3 points d'avance seulement pour l'ASVEL. Je regardais à 3 points. On en est à 5 sur 6 pour Laurent Bluvy. Quant à Eric Elliott, il en est à 4 sur 8. Meilleur marqueur du match, Laurent Bluvy avec 19 points. Il a le ballon. Bill Edwards. Il prend le shoot à deux points, il est contré au départ. Et ballon récupéré par Vinius, contré par Arturas Yavtokas. Giedraitis pour Yavtokas. Le dunk d'Arturas Yavtokas qui ramène son équipe à un petit point de l'ASVEL. On est à la moitié de ce troisième quart-temps. Laurent Bluvy. David Frigou, Zakhar Pachoutin. Qui prend le shoot, c'est long, c'est un airball encore. Et ballon récupéré par Arturas Yavtokas. Attention, Vinius est en train de passer l'accélérateur là. Andrius Giedraitis à 3 points, c'est raté, rebond offensif pour Arturas Yavtokas. Et la faute pour Jim Bilba. C'est une vraie faute, hein. Quatrième faute d'équipe pour l'ASVEL dans ce troisième quart-temps. Ces rebonds offensifs qu'il ne faut pas laisser échapper, temps mort. Demandé par Greg Beugnot pour l'ASVEL alors qu'il reste 4 minutes et 32 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. L'ASVEL mène d'un petit point, 55-54. Alors voyons, Laurent Bluvy, meilleur marqueur du match avec 19 points pour Lolo Bluvy. Impressionnant. Alors que Eric Elliott, lui, en est à 18 points dans ce match. 10 points, 5 rebonds pour David Frigou. Et 13 points également pour Andrius Giedraitis. Voilà pour les meilleurs hommes du match pour l'instant. Alors qu'on en est à un petit peu plus de la moitié de ce troisième quart-temps, pardon. La Lituanie... qui s'est appuyé beaucoup, Jonas Kazlauskas, le coach lituanien, qui s'est appuyé beaucoup sur les joueurs de Lietuvos Rytas. Il a fait venir par exemple Arvydas Vasiauskas, il a fait venir Ramunas Siskauskas, Andrius Giedraitis également était présent, ou encore Robertas Yavtokas pour jouer contre la France et contre la Turquie. Ils étaient allés gagner en Turquie 69-61 pardon, avant d'être battus par les Français 78-65. Il va y avoir deux lancers francs à venir pour Arturas Yavtokas, qui n'était pas là en début de saison, enfin qui ne faisait pas partie de cette formation lituanienne. Il a rejoint son frère Robertas Yavtokas. Arturas Yavtokas, vous le voyez là, surnommé Sylvester Stallone. Sachez quand même qu'il est capable de, en développé couché, de soulever 150 kg. C'est quand même pas rien. Et Vinius qui est repassé devant, un point d'avance, 56-55, le ballon pour l'ASVEL, avec Laurent Bluvy, Zakhar Pachoutin, Laurent Ciara, Bluvy,
qui a pris un Lituanien sur le coin du nez. En l'occurrence, Arvydas Macijauskas, qui commet là sa troisième faute personnelle, troisième faute d'équipe pour Vilnius dans ce troisième quart-temps. Ah, là aussi, c'est une vraie faute. Hein. Ouh là là, oui. Ah, il a essayé de l'éviter, mais trop tard. Zakhar Pachutin. Laurent Ciara qui a cherché Joachim Löw. Ballon perdu. Ça fait beaucoup rire, mesdemoiselles. Le ballon pour Vilnius. Et deux points supplémentaires pour Arnas Kazlauskas. C'est un peu le joueur inattendu, hein, Arnas Kazlauskas, qui enfile les paniers. Trois points de retard pour l'Asvel. Jim Bilba, Laurent Pluvy. 3:40 à jouer dans ce troisième quart-temps. Laurent Ciara. Pluvy, qui va prendre le shoot à deux points. Deux points supplémentaires. Et il y a eu un coup de sifflet en plus. Alors, deux points accordés, plus la faute. Pour Arvydas Macijauskas encore. Quatrième faute personnelle pour Macijauskas. Il y a deux joueurs à quatre fautes du côté du Lietuvos Rytas. Macijauskas et Robertas Japtokas. Un lancer franc supplémentaire réussi par Laurent Pluvy. C'était la quatrième faute d'équipe également pour Vilnius dans ce troisième quart-temps. Le ballon pour les Lituaniens avec Arvydas Macijauskas. Ramūnas Ciskauskas. Macijauskas à 3 points, c'est raté. Le rebond important, oui. Pris par Laurent Ciara. Par Zakhar Pachutin, pardon. Laurent Ciara qui a le ballon. Jim Bilba. 58 partout, un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Zakhar Pachutin, Joachim Löw. Ciara, Bilba, 5 secondes sur cette attaque. Allez Jim, il va falloir faire quelque chose. À 3 secondes de la fin, il prend le shoot, c'est 2 points. 2 points d'avance pour l'Asvel. Arvydas Macijauskas. Robertas Ciskauskas. Oh, ballon perdu! Ballon perdu par Arvydas Macijauskas. L'occasion pour l'Asvel de reprendre un petit écart. Greg Bugno qui a l'air un petit peu plus serein qu'en début de rencontre. Laurent Pluvy. Laurent Ciara. Zakhar Pachutin en pénétration pour Jim Bilba qui prend le shoot. C'est court! Et le rebond offensif, deux fois, Joachim Löw qui marque deux points. Quel panier de Joachim Löw! Deux rebonds offensifs là pour l'Asvel. Zakhar Pachutin puis Joachim Löw qui va marquer un panier acrobatique pour donner 4 points d'avance à l'Asvel. 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Le ballon pour Vilnius. Avec Arnas Kazlauskas. Arturas Japtokas qui est contré. Non, il y a la faute. Faute pour Jim Bilba ou Zakhar Pachutin? Zakhar Pachutin qui prend sa... Ah, il l'a attribué à Jim Bilba. Non, c'est Zakhar Pachutin qui a pris la faute, il me semble bien. Oui, voilà, c'est rectifié. Troisième faute pour Zakhar Pachutin. Cinquième faute d'équipe pour l'Asvel dans ce troisième quart-temps. Et deux lancers francs à venir pour Arturas Japtokas. Sylvester Stallone qui a fait un séjour aux États-Unis où il a fréquenté l'université de Clemson. Il arrive du club russe de Ural Grit-Perm. 2 sur 2. Trois points d'avance pour l'Asvel. Laurent Ciara, Jim Bilba. Ressort sur Zakhar Pachutin à 3 points, ça peut faire du bien, mais c'est raté. Et la faute, oui, de Joachim Löw sur ce rebond offensif. Et il va donc y avoir de nouveau lancer franc pour Arturas Japtokas. Cette équipe de Vilnius qui est la deuxième meilleure... à 3 points, le deuxième meilleur pourcentage d'adresse à 3 points dans cette Super League avec 42,3%
depuis le début de la compétition. Et Vilnius qui revient à un petit point. Et ce soir, ils sont à 31% seulement, à 3 points, les Lituaniens. Joachim Löw, Laurent Ciara. Ballon en faveur de Villeurbanne. Une 17 à jouer dans ce troisième quart-temps. Un point d'avance pour l'ASVEL. Laurent Pleuvet. Laurent Ciara à 3 points, c'est dur, c'est compliqué, là c'est peut-être tout petit peu forcé, c'est raté et rebond pour Arnas Kazlauskas. Eric Elliott. Andrius Lezas. Pour Arnas Kazlauskas, Arturas Yavtokas, Kazlauskas à nouveau, 5 secondes sur cette attaque. Un shoot à la désespérée et le rebond pour Laurent Pleuvet, bien aidé par Jim Bilba et la faute d'Arnas Kazlauskas. La cinquième faute d'équipe pour Vilnius. Et temps mort demandé par les Lituaniens alors qu'il reste 43 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps et que Villeurbanne mène d'un point, 62-61. 22 points pour Laurent Pleuvet, meilleur marqueur du match. Nouvelle fois, un Laurent Pleuvet énorme au cours de ce match. 10 points et 5 rebonds pour David Frigou du côté de Vilnius. Meilleur marqueur, Eric Elliott avec 18 points. 13 points pour Andrius Giedraitis et 11 points pour Arturas Yavtokas. Alors parmi les petites infos concernant la Super League, vous l'avez peut-être entendu hier soir avec Olivier Vera et Patrice Dumont à Pau. Olivier vous annonçait que Corey Carr avait l'ancien Palois avait signé du côté du Maccabi Ra'anana. Il a remplacé effectivement Kelly McCarthy qui est reparti aux USA. Mais Corey Carr ne peut pas jouer en Super League. Il a signé trop tard. Olivier avait un doute hier soir, donc confirmation. Corey Carr ne pourra pas jouer en Super League avec son club israélien. Il devra se contenter du championnat d'Israël. De lancer franc à venir pour Laurent Pleuvet qui ce soir encore devrait améliorer son pourcentage de réussite à 3 points. Tout simplement puisque, je vous le disais, c'est le meilleur dans ce domaine, dans cette Super League avec 61,9% de réussite. Ce soir, je vérifie, mais il en est à 5 sur 6 à 3 points, soit 83% de réussite. Ça veut dire qu'il va encore augmenter son pourcentage de réussite. C'est tout simplement exceptionnel. Eric Elliott, un peu plus de 30 secondes à jouer, vous le voyez, 3 points d'avance pour l'ASVEL. Andreas Lezas pour Andrius Giedraitis, à 3 points, ça fait mal, il revient à égalité. À 20 secondes de la fin de ce troisième carton, 64 partout. La dernière possession peut-être pour l'ASVEL. Avec Laurent Pleuvet. À 3 points. Ah là c'était ambitieux quand même. Et le ballon sera en faveur de Vilnius. Il en est donc à 5 sur 7 Laurent Pleuvet. 3 secondes dans ce troisième quart-temps. Égalité parfaite, ne pas encaisser de dernier panier. Andrius Lezas, la dernière seconde, il prend le shoot à 3 points, c'est raté. Et on en reste donc sur ce score de 64 partout à l'issue de ce troisième quart-temps. 64 partout. 10 minutes. Il reste 10 minutes pour départager les deux équipes. Ah, il va falloir aller la chercher cette victoire pour Villeurbanne. Les pourcentages de réussite sont un petit peu montés. 50% pour Villeurbanne, 49% pour Vilnius. 33% à 3 points pour les Lituaniens, 38% pour Villeurbanne. Au niveau des rebonds, égalité parfaite. Vous voyez quand même que c'est un match très 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 équilibré. 20 rebonds de chaque côté. 2 balles perdues en plus pour l'ASVEL. 7 au total, c'est quand même pas énorme. 5 seulement pour Vilnius. Vous voyez que ce match est extrêmement serré.
Et on était inquiet par rapport au jeu intérieur de l'Asvel sans Harpong, et on s'aperçoit que l'Asvel a quand même inscrit 24 points à l'intérieur, 63% de réussite, alors que Vilnius doit se contenter de 58% de réussite et de 20 points. Je dirais que ce n'est pas une grosse différence, c'est vrai, mais c'est rassurant quant au potentiel du jeu intérieur de l'Asvel. Un petit mot sur les meilleurs marqueurs pour vous rappeler que Laurent Pluvy est le meilleur marqueur de ce match avec 24 points pour Laurent Pluvy. 10 points, 5 rebonds pour David Prigou. Quelques supporters français venus encourager l'Asvel dans cette salle de Vilnius. 18 points pour Eric Elliott, le meilleur marqueur du côté de Vilnius. 16 points pour Andrius Giedraitis et 11 points pour Arturas Yavtokas. Allez, début de ce dernier, de ce quatrième et dernier quart-temps. Égalité parfaite, 64 partout. Il reste 10 minutes pour départager ces deux équipes. Victoire impérative pour l'Asvel. D'abord pour conserver l'espoir de figurer parmi les 4 meilleures équipes de ce groupe A. Et en plus pour éliminer définitivement Vilnius de la course à la qualification. Premier ballon pour l'Asvel dans ce dernier quart-temps avec Zakhar Pachoutin. David Prigou, Bill Edwards pour Jim Bilba. Il reste 5 secondes. Jim Bilba qui prend le shoot, c'est raté. Le rebond pour Arturas Yavtokas. Eric Elliott. Andrius Giedraitis en pénétration, bonne passe, pas de faute, le rebond offensif pour Andrius Giedraitis et David Prigou qui a pris un coup au passage. Arnas Kazlauskas qui n'a pas réussi à inscrire ce panier. David Prigou qui a dû prendre un coup de coude sur le nez. Non, c'est sur la lèvre visiblement. Alors voyons ça. Là, pas de souci. Allez, si visiblement David Prigou qui a pris un coup. Pas très bien vu comment. 2 points d'avance pour Vilnius. Le ballon pour l'Asvel avec Laurent Ciara. Zakhar Pachoutin. Pénètre. Bonne passe pour David Prigou et le dunk. 66 partout, il reste 9 minutes. Eric Elliott. Ouh, qui a failli perdre le ballon, il a glissé. Andrius Giedraitis. Arnas Kazlauskas. Elliott. Attention au shoot d'Eric Elliott. Il reste 5 secondes, il pénètre. Bonne passe pour Arturas Yavtokas. Faute de Laurent Ciara. Vraie faute là encore. Et ça va donner 2 lancers francs à Arturas Yavtokas. Vilnius qui ce soir n'aura perdu que 5 ballons jusqu'à présent alors qu'il reste 8 minutes et 37 secondes à jouer. C'est très très peu parce que c'était un petit peu leur point faible. C'est la deuxième plus mauvaise équipe dans ce domaine avec 15,6 ballons perdus par match dans la compétition. Et là ce soir ils ont effacé ce petit souci. Un point d'avance pour Vilnius, 8-30 à jouer, 67-66 le ballon pour l'Asvel, Jim Bilba, Zakhar Pachoutin qui pénètre, pas de faute, le ballon toujours en faveur de l'Asvel, il reste 8 secondes sur cette possession, 8 secondes pour éventuellement marquer 2 points ou plus si affinité. Laurent Ciara, 5 secondes. Zakhar Pachoutin, 3 secondes, 2 secondes, Jim Bilba la dernière seconde, 3 points, c'est raté. Et la sirène qui a retenti, ballon pour Vilnius. Avec Eric Elliott. Arnas Kazlauskas pour Arturas Yavtokas qui ressort sur Kazlauskas, Giedraitis.
Un shoot raté là de la part de Slezas. Rebond pour l'Asvel. Zakarpa shooting. Contré, non, la faute. La faute d'Andriou Slezas. Et ça va donc faire deux lancers francs pour Zakarpa shooting. Sortie de Jim Bilba, remplacé. Laurent Sierra également remplacé par Laurent Pluvy. Non, Laurent Sierra est toujours sur le parquet. C'est Jim Bilba qui a été remplacé par Laurent Pluvy. Donc du coup, on se retrouve avec trois petits. Et Bill Edwards qui va jouer en numéro 4 une nouvelle fois. Zakarpa shooting qui a fait un vrai gros match, on va dire, c'était face au CSKA à Moscou. Avec 16 points et 5 rebonds. Là, 1 sur 2 au lancer franc. Et le rebond pour Arturo Siaptokas. Eric Elliott qui prend le shoot, c'est raté. Et le rebond pour Villeurbanne avec Zakarpa shooting. Bill Edwards, 67 partout, 7-30 à jouer. Bill Edwards qui prend le shoot, c'est raté. Et le rebond une nouvelle fois pour Arturo Siaptokas. Eric Elliott. Arnas Kazlauskas, la faute de Laurent Pluvy. Ballon toujours pour Vilnius. Robertas Yavtokas. Et ses quatre fautes qui reviennent sur le parquet à la place d'Andrius Giannaitis. Sortie de Arturas Yavtokas également. Remplacé par Ramona Siskauskas qui a le ballon. Andrius Lezas à 3 points. C'est raté. Et le ballon pour l'Asvel. Allez, Greg Bugnot qui croit en cette victoire. 67 partout, 7-15 à jouer. Laurent Sierra. David Frigo. Sierra. La shooting, 5 secondes. Laurent Pluvy qui perd la balle, récupéré par Eric Elliott. Attention à ces ballons perdus, la contre-attaque. Ramona Siskauskas pour un dunk énorme. Et 2 points d'avance pour Vilnius, 69-67, 6-45 à jouer. Le ballon pour l'Asvel, Laurent Sierra. Laurent Pluvy, Zakarpa shooting. Bill Edwards, Sierra. À 3 points. C'est raté. Et le rebond pour Vilnius avec Robertas Yavtokas. Pas en réussite ce soir, Laurent Sierra. Ballon pour Vilnius avec Eric Elliott. Attention, il y a danger là. Vilnius qui est en train de pousser avec le public derrière son équipe. Ramona Siskauskas. Eric Elliott à 3 points. C'est raté. Rebond offensif. Et un coup de sifflet des arbitres avec une faute pour Laurent Sierra. Troisième faute personnelle pour Laurent Sierra, troisième faute d'équipe pour l'Asvel dans ce quatrième et dernier carton. Temps mort demandé par Greg Bugnot pour l'Asvel. Alors que Vilnius mène de 2 points, 69-67 et qu'il reste 6 minutes et 4 secondes à jouer. Ah, ça va être compliqué quand même là pour aller chercher cette victoire, rien n'est fait bien évidemment. De toute façon, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu l'occasion de vous commenter un match où il y avait un gros écart. À chaque fois, j'ai droit à un match serré jusqu'au bout. C'est pas pour nous déplaire, forcément. Les consignes de Greg Bugnot. Un petit rappel peut-être des résultats de cette Super League qui ont eu lieu, des matchs qui ont eu lieu hier soir, avec dans le groupe E la victoire sans problème d'Ulker Istanbul face au Maccabi Ra'anana 102 à 71. Ulker Istanbul qui a enregistré là sa 8e victoire. Donc l'Asvel ne doit pas se laisser distancer, obtenir de son côté sa 6e victoire dans le groupe B. Victoire de l'Iraklis Salonique face à Pesaro 92-85, victoire de Portes face à Luleå 86-59 et victoire d'Istanbul sur le parquet de Leverkusen 71-69. On va retrouver Arnas Kazlauskas au lancer franc. C'est
C'est peut-être son meilleur match de la saison en Super League, Arnas Kazlauskas, avec 8 points et 4 rebonds déjà. Lui qui a fait partie de l'équipe championne d'Europe chez les cadets en 1994, l'équipe de la Lituanie. Il avait d'ailleurs été le meilleur marqueur de la finale de ce championnat d'Europe cadet avec 24 points inscrits. Depuis, il a eu du mal à confirmer. Mais ce soir, il réalise un bon match. 3 points de retard pour l'Asvel. Bill Edwards. Ouais, 3 points pour Bill Edwards. Voilà qui fait du bien. Et l'Asvel qui revient à égalité. 70 partout. 5-40 à jouer. Eric Elliott. Ramona Siskauskas. Quatre secondes sur cette attaque. Siskauskas qui est obligé de forcer son tir à 3 points. Mais il rentre quand même. Oh, il a une détente là sur ce shoot. 3 points de retard pour Villeurbanne. 5-10 à jouer. Laurent Pluvy. Oh, il fait mal Siskauskas. David Pigou, Laurent Ciara. Ah, il n'arrête pas de plus redonner à Pigou. Pluvy. Lui qui est passé, qui va pouvoir prendre le shoot, 2 points, c'est raté, le rebond pour David Frigou qui peut commettre peut-être une faute sur le rebond offensif, Jim Bilba, Frigou, et 2 points pour David Frigou, 1 point de retard pour l'Asvel, 4-45 à jouer. Eric Elliott. Elliott à nouveau, qui va prendre le shoot, ouais, 2 points. 3 points de retard pour l'Asvel, 4-25 à jouer. 20 points pour Eric Elliott dans ce match. Laurent Pluvy. Laurent Ciara. Bill Edwards. Pluvy en pénétration pour Frigou qui prend le shoot, c'est raté. Et la faute sera pour l'Asvel. Non, pour oui, pour Jim Bilba. Faute pour Jim Bilba. Sa troisième faute personnelle, quatrième faute d'équipe pour l'Asvel, alors que Vilnius n'a toujours qu'une seule faute d'équipe dans ce quatrième et dernier quart-temps. Attention, attention, cette possession est importante, 4 minutes à jouer. Ça serait bien de ne pas encaisser de points. Eric Elliott. Ballon perdu, récupéré par Laurent Pluvy, la contre-attaque avec Zakar Pachoutine pour Bill Edwards, 2 points. Et la Zak qui revient à une longueur, 3-45 à jouer. Ah, il y a la place quand même d'aller chercher cette victoire, ça va être très serré jusqu'au bout, c'est un match très très équilibré. Et cela tout au long de la rencontre. Ramona Siskauskas à l'intérieur. Le panier ne sera pas accordé à Arnas Kazlauskas. Et il y aura une faute offensive même contre Arnas Kazlauskas. Et temps mort. Temps mort demandé par les Lituaniens. Alors qu'il reste 3 minutes et 26 secondes à jouer dans cette partie. Un point à l'avance. Pour Vilnius, 75-74. On va avoir quand même là un super match ce soir. Avec meilleur marqueur de cette rencontre, Laurent Pluvy toujours avec 24 points. Bill Edwards en est à 14. David Frigou, 14 points, 6 rebonds. Du côté de Vilnius, meilleur marqueur Eric Elliott avec 20 points. 18 pour Andrius Giedraitis. points pour Arturas Yavtokas, plus 5 rebonds. Et ce petit point de retard pour l'Asvel. On revoit le panier à 3 points de Bill Edwards, qui était bien parti dans ce match et puis qui au fur et à mesure a perdu de son adresse. Allez, ballon pour l'Asvel, l'occasion de passer devant avec Bill Edwards, David Frigou, Laurent Ciara. Bill Edwards à 3 points. Ah, ça ne veut pas rentrer, le rebond offensif. Non, ballon récupéré par Eric Elliott.
3 minutes 10 à jouer. Andrius Lezas. Andrius Giedraitis. Eric Elliott, 5 secondes sur cette possession. Bonne défense de l'Asvel, 2 secondes. Le dernier shoot à la dernière seconde pour Ramona Siskowska. Cette fois-ci, c'est raté. Et ballon récupéré par l'Asvel qui a très bien défendu. 2,50 à jouer. Et le ballon pour l'Asvel. Avec Laurent Sierra. Bill Edwards. Zakhar Pachoutin. Qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Et ballon sorti par Jim Bilbao. Rebond offensif pour Laurent Sierra. Bill Edwards à 3 points encore. C'est raté. Et la faute. Oui, faute sur le rebond. Elle sera soit pour Jim, soit pour David Frigou. Ça sera pour David Frigou. Quatrième faute personnelle pour David. Cinquième faute d'équipe pour l'Asvel. Et ça va donner deux lancers francs à Vilnius. Laurent Pluvy devrait pas tarder à revenir sur le parquet pour trouver la mire à 3 points. C'est Robertas Yavtokas qui va avoir deux lancers francs. Lui qui est le meilleur rebondeur de Vilnius cette saison dans cette Super League avec 7,1 rebonds par match. Ce soir, il en a capté 6 déjà. En revanche, le lancer franc, c'est pas trop son truc. Donc en fin de match, on y est quasiment d'ailleurs dans le Money Time. C'est peut-être sur cet homme-là qu'il faudra faire des lancers francs. Laurent Pluvy va revenir sur le parquet. Voilà, 0 sur 2. Attention au rebond. Oui, Zakhar Pachoutin. Allez, 2-20 à jouer. Laurent Sierra. Bill Edwards. David Frigou. Sierra. Pachoutin. Edwards. Attention à ce ballon qu'il va perdre. Non, ce sera toujours en faveur de l'Asvel. Mais il reste 5 secondes. 5 secondes sur cette possession. Laurent Pluvy qui fait son retour sur le parquet à la place de Laurent Sierra. Allez, Laurent Pluvy qui doit être le sauveur encore une fois. Laurent Pluvy qui a le ballon en pénétration. Contré ! Quel contre de Robertas Yavtokas et la fin de la possession. Ballon perdu par l'Asvel qui a toujours un point de retard alors qu'il reste 1,59 à jouer. Le retour d'Arturas Yavtokas à la place de Robertas. Son petit frère. 1,59 à jouer, un point de retard pour l'Asvel. Et le ballon pour Vilnius avec Ramona Siskauskas. Andrius Giedraitis. À 3 points, Siskauskas s'écoule, le rebond pour Laurent Pluvy. Mais il y a eu un coup de sifflet avec une nouvelle faute du côté de Vilnius cette fois-ci. Faute pour Andrius Lezas. Troisième faute personnelle, la troisième faute d'équipe pour Vilnius seulement dans ce dernier quart-temps. 1,35 à jouer. Toujours ce petit point de retard, Laurent Pluvy, Bill Edwards, David Frigou, Pluvy, Pachoutin, oh, qui a failli perdre la balle, il la récupère, bon ballon pour Jim Bilbao, David Frigou, 2 points, et l'Asvel qui passe devant, 76-75, 1 point d'avance, 1-16 à jouer, et le ballon pour Vilnius, Eric Elliott. Arturas Yavtokas, il est passé, faute de David Frigou, aïe. C'est la cinquième faute pour David qui va être obligé de sortir avec ses 16 points et ses 6 rebonds. Et il va y avoir 2 lancers francs à venir pour Arturas Yavtokas. Laurent Sierra revient sur le parquet. Et on va rejouer avec Bill Edwards au poste 4. 2 lancers francs à venir pour Arturas Yavtokas.
Juliette Uvansritas qui a tout de même l'une des plus mauvaises défenses de cette Super League avec 87,5 points encaissés par match. Premier lancé raté par Arturas Yaptokas. Oh, on y croit dans le clan français, ils sont facilement 5 mais ils y croient. Allez, le deuxième lancé franc pour Arturas Yaptokas. Il y a eu un changement encore du côté de Vinius avec le retour de Darvidas Masiauskas. Et c'est raté encore le rebond pour Ville-Edouard. Toujours un petit peu d'avance pour Villeurbanne. Une minute à jouer. On rentre dans la dernière minute de cette rencontre. Laurent Sierra. Ville-Edouard à 3 points. C'est raté. Et le rebond pour Vilnius avec Arvidas Masiauskas. La faute de Jim Bilba. Quatrième faute personnelle pour Jim et de lancer franc à venir pour Arvidas Masiauskas. Arturas Yaptokas qui ressort. Remplacé par Arnas Kazlauskas. Et à nouveau, pas à nouveau non. Et Vilnius qui se retrouve avec 5 petits, entre guillemets. En tout cas sans les deux grands, Arturas Yaptokas et Robertas Yaptokas. Premier lancé réussi par Arvidas Masiauskas. Qui avait réalisé son meilleur match face à Ulker Istanbul en inscrivant 19 points. 2 sur 2, Vilnius est devant. 77-76, 40 secondes à jouer. Le ballon pour l'Asvel avec Laurent Pluvy. Zakhar Pachoutin. Jim Bilba. Laurent Sierra. Oh, il y a faute. Oui, faute absolument d'Arnas Kazlauskas. Troisième faute personnelle pour Arnas Kazlauskas. Quatrième faute d'équipe seulement pour Vilnius. Il n'y aura pas donc de lancer franc. Ballon toujours pour l'Asvel. 28 secondes à jouer. Laurent Pluvy. Zakhar Pachoutin. Bill Edwards, Pluvy. Bilba. Sierra à 3 points. Ah oui. Oh, le panier à 3 points de Laurent Sierra. Il n'a rien mis dedans de tout le match quasiment. Et à 11 secondes de la fin, il inscrit un panier à 3 points qui donne 2 points d'avance à l'Asvel. 79-77. 11 secondes à jouer. Et temps mort tout de suite. Demandé par Vilnius. À 11 secondes de la fin, alors que l'Asvel mène de 2 points, 79-77. Quel panier à 3 points de Laurent Sierra, qui a été maladroit tout le match quasiment. Et dans le monde état, il est présent avec un superbe panier à 3 points. 11 secondes à jouer. Laurent Sierra, 2 sur 5. 1 sur 4 à 3 points. C'est son premier panier à 3 points du match. Et il le met en 11 secondes de la fin. Si ça, c'est pas un clutch player. Regardez ce panier. En plus, il n'était pas facile. Hein. Pas facile à mettre. Bonne défense de Vinius une nouvelle fois. Ah, le tueur. Le tueur, Laurent Sierra. Qui met ce panier à 11 secondes de la fin. Mais c'est pas terminé, c'est pas encore gagné. Il reste 11 secondes à jouer. 2 points d'avance pour l'Asvel. Le ballon pour Vilnius. Greg Beugnot qui a donné ses dernières consignes. Ça s'est mal passé à la dernière seconde lors du dernier match. À domicile face à Sienne. Arvidas Masiauskas qui va aller chercher la prolongation. La faute. Une vraie faute là encore. Bill Edwards, sa quatrième faute personnelle. Ça va donner deux lancers francs à Arvidas Masiauskas. Oh. Ah, ils y sont pas allés de même mort. C'est dommage parce que Jim Bilba, lui, avait réalisé un joli contre a priori. Et c'est Bill Edwards qui a commis la faute. Il reste 5 secondes et 4 dixièmes à jouer exactement. Il va y avoir deux lancers francs pour Arvidas Masiauskas pour tenter d'égaliser. Alors Arvidas Masiauskas, je voulais savoir évidemment à combien il allait au lancer franc, je me doute. Il allait à 2 sur 2 au lancer franc. Donc il n'est pas impossible qu'il ramène son équipe à égalité. Il n'est pas impossible que l'on ait une petite prolongation à se mettre sous la dent.
En tout cas, on aura vu un super match au cours de cette soirée. Je rappelais le match à Sienne, hein, mais on l'oublie, hein, on va pas leur porter malheur. Allez, 5 secondes, 4 dixièmes à jouer. 2 points d'avance pour l'Asvel, 79-77. 2 lancers francs à venir pour Arvidas Maciauskas. Jeune joueur de 20 ans qui a fait partie de l'équipe Espoir lors des derniers championnats d'Europe, remporté par Junior, même par l'équipe de France. Et le premier raté! Le premier lancé franc est raté par Arvidas Maciauskas. Il va peut-être rater le deuxième exprès. Attention au rebond. Le rebond, oui, le deuxième est raté exprès. Et le ballon pour l'ancien. Et la faute tout de suite d'Arvidas Maciauskas. Ça sent bon cette histoire. Ça sent très très bon. Cinquième faute pour Arvidas Maciauskas, me semble-t-il. Qu'est-ce qui a pris cette faute? Non, c'est pas Arvidas Maciauskas, donc ce n'est pas sa cinquième faute. Et là, en revanche, Laurent Sierra, normalement, il n'y a pas de souci. Il va inscrire les 5 derniers points de son équipe. En voilà 4. Il reste 3 secondes et 6 dixièmes. 3 secondes et 6 dixièmes, 3 points d'avance. C'est dire que c'est important, parce que s'il réussit ce deuxième lancer franc, ça fait 4 points et c'est terminé. Et il a réussi, 4 points d'avance. Et la victoire de l'Asvel sur le parquet de Vilnius, les 3 dernières secondes. Le dernier shoot à 3 points, qui réussit. Le shoot réussi d'Andrius Gedraitis, c'est vous dire si le dernier lancer franc de Laurent Sierra était bel et bien important. Laurent Sierra qui n'a pas tremblé et qui permet à l'Asvel de se poser sur le parquet de Vilnius, 81 à 80. Laurent Sierra qui aura inscrit les 5 derniers points de son équipe pour donner une victoire in extremis à l'Asvel qui met fin à sa série de 4 défaites consécutives. Voilà qui fait du bien à l'Asvel qui équilibre son bilan dans cette Super League à l'issue de cette 12e journée avec 6 victoires pour 6 défaites, avec un super match au cours de cette soirée. Meilleur marqueur Laurent Pluvy, 24 points. Meilleur marqueur du côté de Vilnius, Andrius Gedraitis, avec 21 points, 20 points pour Eric Elliott également, 12 points et 5 rebonds pour Arturas Yaptokas. Du côté de Villeurbanne, donc 24 points pour Laurent Pluvy. A noter également les 16 points, 6 rebonds de David Frigou, 14 points et 5 rebonds pour Bill Edwards et 10 points pour Laurent Sierra, donc 5 dans les 11 dernières secondes avec un panier à 3 points extraordinaire. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux matchs. Ce sera mercredi et jeudi. L'Asvel fera un match à domicile. Ça sera contre, ne bougez pas, je vais vous trouver ça tout de suite, face à Ulker Istanbul, alors que Pau ira en Belgique affronter Ostende. Les deux matchs, si vous voulez vous dire, sont bons, sont à 20h30, un match mercredi, un match jeudi. Voilà, passez une excellente nuit sur Eurosport et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la Super League. Ciao.